Donc, waouh, là ça devient super étroit. C'est vraiment. C'est Koh-Lanta! J'ai super mal aux pieds. J'ai super mal aux pieds. C'est parti pour la journée au ballon. Le soleil de l'autre. Donc là il y a la lune. Et puis un jour on verra le soleil par là. Mais bah, non, pas encore. Comment tu fais? Déjà il tourne pas, il va toujours tout droit. Est-ce qu'on revient en navette justement ou est-ce qu'on revient au même endroit? On entend un moteur un peu proche là. C'est quand il remplit le gaz. C'est pas possible. Ouais, c'est clair. C'est pas minime, ça. Il y a des mariés là-bas. Là. C'est comme. Je sais pas si ce qui est le plus beau, si c'est les montgolfières ou le paysage. On est vraiment tout tranquille, c'est apaisant. Skin. They faded with never a wrinkle. He
His boots were up to the thigh, and he rode with a jewel twinkle, his pistol buds a twinkle, his rapier hilt a twinkle under the jeweled sky. And all the cobbles he clattered and clashed in the darkened yard, and he tapped with his whip on the shutters, but all was locked and barred. He whistled a tune to the window, and who should be waiting there but the landlord's black-eyed daughter, Bess the landlord's daughter, plaiting a dark red love knot into her long black hair. One kiss, my bonny sweetheart, I'm after a prize tonight. On est proche là. Il y a 15 mètres. Hein. 15 mètres. He rose upright in the stirrups. He scarce could reach a hand. Ça y est, encore 3 mètres. 2 mètres. Il y a l'espace d'un pim. L'espace d'un pim là. Tu peux presque te faire. Il y a 1 mètre, même pas. Il dit M. Ils viennent nous chercher direct, hein. Ouais, ils sont là. Bon, moi je me mets là. Ouh, il y a un monsieur. Non, mais il va atterrir sur la remorque. Ouais. Oh, moi je vois rien. Bravo. Ah ah ah. Et voilà, sur la remorque direct. Un truc de dingue. On est en voiture sur une montgolfière, quoi. Non mais lol. Et des petits bonhommes rouges qui viennent nous chercher. Le ballon est en train de pencher. Ils ont enlevé des mousquetons. Hell at one dark window, for Bess could see through the casement the road that he would ride. They had tied her up to attention with many a sniggering jest. They had bound a musket beside her with a bow beneath the breast. Now keep good watch, and they kissed her. She heard the dead man say, look for me by the moon. On va manger au Old Cappadocia Café Restaurant. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a une dame qui nous fait à manger. Donc elle fait tout ce qui est crêpes, des menthes, des raviolis. Voilà, elle fait sa propre. Elle nous fait une propre galette sur ce dôme chaud. And the hours crawled by like years to now in the stroke of midnight. Called on the stroke of midnight, the tip of her finger touched it, the trigger at least was hers. Donc il y a de la viande, du fromage et des épinards dedans. T'as fait l'autre là ou pas? C'est trop bon. Attends, je vais regarder si elle fait off. Voilà. Donc dans le restaurant, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais c'est bon quand même. Donc nous avons payé 56 liras. Ce qui fait combien déjà? 14. 14 euros. Donc on a mangé pour 14 euros. Donc dedans il y avait un aïran, donc un lait salé. On a eu deux pénir, donc les grosses crêpes.
Il y a eu deux iced tea. Et on a mangé de la salade aussi. D'ailleurs, elle est où là? Oui, il y a bien deux salades. Et le thé. Et ils nous ont offert le thé. Voilà, parce qu'ils se sont trompés dans les pénirs, dans les galettes. Voilà, donc pour 14 euros, on mange pour deux. Ça fait 7 euros chacun. 7 euros chacun, on mange comme des pachas. Ouais, mais nous emballons. Balade dans la vallée des pigeons. Normalement, parce qu'on n'est pas trop sûr de nous. Là. Après avoir été aidé par un monsieur, par une dame, on a enfin trouvé le chemin de la vallée aux pigeons. Ah bah voilà des pigeons. C'est bon, on a trouvé la route. Voilà, petite pause pour acheter une bouteille d'eau. On vient de monter ça là. On est tanné. Il faut les mériter, les beurrecs, les cigarettes et les keuftecs et les bebecs et tous les hecs. On dirait un coquillage, un gros coquillage. C'est trop rigolo. Allez, courage. Ah. Au détour d'un chemin, on voit le Graal. Le Graal, c'est manger et boire. Non, bon, pas manger, boire. Gnaden. Voilà pour manger un super endroit. Le chien est dans là. On est à 1500 mètres de l'arrivée. Voilà. Et les traditionnelles toilettes turques. Voilà. On a bu un jus d'orange, du thé et c'est reparti. Peut-être qu'à un moment je verrai un château si je regarde que le bas. Oui. La vallée aux pigeons. On y arrive presque. Le château est quelque part par là-bas. Ça grimpe un peu sec. Ouais, très compensé par la vue. Des gens habitent dedans. Il y a des cheminées, on a vu des gens qui mangeaient devant. Donc il y a encore des habitations de nos jours, hormis des hôtels. Chez eux, leur maison. Et Pierre, il est loin. Oh, c'est tombé vers le bas. La vallée de l'amour. Thank you.
la nature, nous on est parisiens. Hein. On a vu du cerf polaire. Ouais! On est heureux! On est heureux! Hein, on est heureux? Ouais. A few moments later. On est encore perdu. C'est mal indiqué. Mal indiqué. Mais d'après ce qu'on a compris, on doit descendre là et aller à l'intérieur de la vallée. Ce qui n'est pas très rassurant, mais effectivement, il y a des chemins à l'intérieur. Et après, si jamais c'est pas ça, bah, faut tout remonter, quoi. Et là, je sais pas si on est capable de tout remonter. Voilà. Donc, bon, bah, on va tester, hein. Ça descend sec. Hein. Pou, 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 pou. Là, d'accord. Là, je dis que c'est beau. Là, c'est magnifique. Bon, allez, il va faire nuit, là. Peut-être se manier. On est bien bas, là. Hein. Regarde où on était avant. On a fait. Maintenant on est obligé, hein. On ne peut pas reculer. Donc. Waouh. Là ça devient super étroit. C'est vraiment. C'est Koh-Lanta. Purée, ça commence à devenir mouillé par là. Et voilà. On aime la précision. Donc il y a un chemin là, il y a un chemin là, il y a un chemin là. En imaginant encore un là. En imaginant encore un là. Par où on va? Ah, il y en a encore un là, ici. Bon, c'est qu'on doit descendre. Bon, bah, de toute façon, là, on est en train de marcher sur l'eau. On va finir à la nage. Je sais plus pour Jésus. On va finir à la nage. Ils sont venus en voiture. Continue. Par où? Il y a la version 3. Voilà. Et là, il y a la version 4. Oh, une voiture. On a au moins marché 20 km. Je sais pas combien, mais là, on a plus de jambes. Normalement, on arrive à Gorémé, mais on sait pas si on a encore pris le bon chemin. Il y avait encore un croisement. Il y a des quads. Ça, on va faire ça dans... Bah, demain après-midi. Il reste une heure de marche pour rentrer à Gorémé. On pense qu'il nous reste une heure de marche. On va être surpris peut-être tout à l'heure. Si vous voyez un village, et ben c'est Gorémé. Mais là j'en vois pas. On s'en souviendra de cette balade. Il restera normalement 2 km à pied. D'après ce qu'on nous a dit. On voit toujours pas le village. C'est notre plus grosse balade de toute l'année. J'ai super mal aux pieds. J'ai super mal aux pieds. Ah là là là, on arrive. L'hôtel, je le vois là. C'est pas... C'est chez nous là-bas, non? Non mais là-bas c'est la ville d'où on vit, il y a château là-haut, non? Oh là là, on vient de tout là-bas là. Ouais. Non mais là, là, on a été tout là-bas. C'est ça, tchac. Ça, ouais. Jusqu'au château. Et bon, bref. Et après, on s'est perdu. Après, on a été dans la vallée de l'amour. Non, ouais, voilà. Ouais. Et là, on revient.
et encore à peu près 1 km et on arrive. L'hôtel est là. Ce soir, on va manger à Cappadoce Cuisine. Donc, il est top 4 de la Cappadoce. Bon, ça, on va pas trop coller à ça. On a un beau bateau. Il faut savoir que la Turquie est un bon producteur de vin. Du coup, j'ai pris un verre. Yes. Voilà. Soupe. La bonne soupe. Miam, miam, miam. C'est marqué un citron avec. Ouais. Souvent, ça rajoute du goût, le citron. Donc là, ça, c'est de la soupe aux lentilles corail. Et on rajoute un zeste de citron. Elle est tellement bonne. Si vous pouviez goûter ma coupe de vin turc. Il y en a 4 sur les cartons jaunes. Donc il y a la radio dans la cuisine, il y a la radio dans la salle, et il y a là le foot. Parce qu'en Turquie, ils sont trop fans du foot. Donc on a le foot au restaurant. Turquie-Russie. Voilà, Turquie contre Russie. Voilà, voilà le serveur. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui attendent leur commande. on en a eu pour 76 liras. Ce qui faisait à peu près 6 euros par personne. 9, là on est à 9 euros. 9 euros par personne. 9 euros par personne, genre une soupe, un plat du jour, du vin, de l'eau, un thé et la pastèque. Voilà, c'est convenable. C'est convenable, ouais. Et surtout, c'était très bon, voilà. Donc c'est pas cher. Et un top 4, pour la qualité, ouais, franchement, ça vaut le top 4. Ouais. Demain, on va goûter le top 1.